Édouard Montagrain est une personne comme vous et moi. Établi à Mézières, dans le canton de Vaud, il enseignait à l'école du village qui regroupe les enfants des communes avoisinantes pour tout le cycle obligatoire. Malgré un cancer de la langue qu'il a touché en 2009, il apprécie toujours énormément le contact avec les gens du village et participe toujours activement à la vie de diverses organisations. Pas question pour lui de ne pas faire profiter autrui de ce qu'il peut apporter. La maladie l'a notamment privé de l'usage de sa voix. Mais grâce à l'intervention de la Fondation Suisse pour les téléthèses, à Neuchâtel, il peut encore se faire entendre dans de nombreuses situations. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. En tout cas, il est comme avant. On peut aller dehors, manger, se promener, cinéma. C'est pas en assister. Restaurant, vraiment... pour restaurant, pour faire sa commande lui-même. Hein. Je l'assiste pas, c'est tout lui qui fait. La serveuse est derrière, elle écoute. C'est y a pas d'encombre, on vit comme avant. Ça va mieux, vu que j'écris comme un cochon. Ce qui va mieux pour M. Montagrain, c'est le Echo 200. Cet appareil, distribué par la Fondation Suisse pour les téléthèses, a le format d'un navigateur GPS pour voiture. Il peut donc facilement se glisser dans un sac ou dans une poche de veste. Son format réduit ne l'empêche pas d'avoir une voix au volume surprenant. Différents moyens sont proposés pour le faire parler. Outre un système d'ardoise magique pour faire des croquis, une image valant 1000 mots, l'appareil propose également un petit système pictographique pour les messages les plus quotidiens. Mais l'appareil est surtout destiné aux personnes souhaitant taper les mots à lire sur un clavier alphabétique. Différents claviers sont disponibles. Ce clavier propose un système de prédiction de mots, ce qui peut, dans certains cas, accélérer la saisie. C'est vrai qu'entendu aux gens, il n'a plus de langue. Et mais après, moi je ne leur dis pas qu'ils ne parlent pas. Alors ils sont surpris tout d'un coup de tout parler avec sa parole. Et puis les gens, ils sont très attentionnés. Hein. Très... Hein, souvent, ils disent... Louisa doit acheter de la glace. Oui. Mais le parfum, je ne savais pas. Quel goût tu... Le meilleur goût que tu sens, quoi. Elle me lampe et tu dis... Mangue, fruit de la passion, chocolat, melon. Noix de coco aussi, tu as dit tout à l'heure. Et les gens, ils ont appris à attendre la réponse. Hein? Il fallait du temps, mais maintenant ils comprennent qu'il faut attendre que tu parles. Et puis, tout va bien. Je dois acheter quoi d'autre? Du coca, pour rendre un moins. Montagrain espère pouvoir bientôt reprendre l'enseignement à temps partiel. Il se rend fréquemment à l'école pour rencontrer ses collègues enseignants et proviseurs et se maintenir informé des différentes activités. Salut.
Waouh. Ça sent meilleur chaque fois. Comment vas-tu? Un truc, c'est le salaire où j'ai introduit juste le prénom. Salut, mes chats, comment ça va? Un petit instant, je vais voir. Un petit instant. Vendredi, il se passe quoi? La conférence des maîtres toute la journée. Comme d'habitude. Matin, l'accueil, croissant, suite la conférence, soyez à tout le monde, et puis ensuite il y a les ateliers, le dîner. J'aimerais ça, l'enfant du jour. Je peux t'en photocopier un si tu veux. Ordre du jour, volontiers. Il crâne avec son appareil. Et c'est là le temps, les programmes que Jamie avait envoyés. Ah, aucune idée, alors, je crois. Ça, c'est marqué informatique Olivier. On est conseil direction ce matin, mais on n'a pas discuté plus en détail de chacune des parties des différentes personnes. Tu sais quand il revient? Demain, elle qui serait là. L'appareil Echo peut également être connecté avec un téléphone mobile. On voit ici M. Montagrain préparer son appel en utilisant notamment le système de mémorisation de phrases que l'utilisateur introduit lui-même. Il compose ensuite le numéro à contacter et, sans autre manipulation de sa part, son téléphone mobile réagit et effectue l'appel. La voix synthétique du Echo passe directement sur la ligne téléphonique et assure ainsi une bonne compréhension. Merci d'avoir la patience d'attendre que je te les pose ou de répondre en tapant sur les touches. D'accord. Et c'est des questions totales nécessitant un oui ou un non comme réponse. Le secrétaire est là. Donc Yves, oui, mais il est avec le personnel SSF. Grâce à son appareil, M. Montagrain peut également participer aux sessions du conseil communal. Montagrain,